La BRH continue d'intervenir sur le marché des changes pour empêcher la gourde de se déprécier, selon l'économiste Kestner-Farrell. Les réserves nettes de change se montent désormais à moins de 600 millions de dollars. C'est le signe d'une pression sur la monnaie nationale. Dans l'intervalle, on observe une forte augmentation du prix du carburant sur le marché international, ce qui risque d'occasionner une pression supplémentaire sur la gourde, explique-t-il. La Banque centrale persiste et signe, donc ça continue. La Banque centrale fait ça une politique d'intervention sur le marché local d'échange pour essayer de contenir une trop forte appréciation du dollar par rapport à la gourde, mais ce n'est pas une tâche facile. Car les dernières informations fournies dans la note de politique monétaire révélaient qu'en décembre 2020, on était à moins de 600 millions de dollars américains de réserves nettes de change. Nous savons que le Fonds monétaire international exige au moins 3 mois d'importation, donc ce qui veut dire qu'il y a une certaine pression au niveau des réserves de change. Mais cette pression va continuer car vous devez savoir qu'actuellement, on parle d'une appréciation continue, même une envolée du prix du baril de pétrole sur le marché mondial. Oui, en fait, on avait révélé du côté de la Banque centrale qu'il y avait toute une politique. Donc on a annoncé la vente, donc ça fait partie des montants qui déjà a été annoncé par la Banque centrale bien auparavant. Donc c'est toute une politique pendant une certaine période. Mais on sait bien, comme je vous dis, on doit regarder ce qui se passe au niveau de la balance commerciale, également au niveau du déficit budgétaire, ce qu'on appelle le déficit jumeau. Et d'ailleurs, la dernière politique monétaire nous montrait qu'on avait un déficit record pendant le premier trimestre de l'exercice fiscal. C'était autour de 23,6 milliards de gourdes pendant un trimestre. Et je ne pense pas que le second trimestre dans lequel nous sommes pour le moment soit bien meilleur parce que les recettes n'augmentent pas avec toute la crise politique que nous avons connue avant et après 7 février. Donc les recettes ne sont pas extraordinaires, je suppose. Et avec des dépenses assez élevées en quelque sorte, surtout un montant assez important qu'on avait obtenu en décembre dernier. Donc maintenir un tel déficit budgétaire qui va alimenter également le déficit de la balance, en particulier de la balance commerciale, donc ces pressions vont déranger considérablement l'équilibre du dollar par rapport à la gourde. Une autre nouvelle qui risque d'impacter la situation en Haïti, c'est l'augmentation du prix du pétrole au niveau international. En fait, cette semaine, on a retrouvé particulièrement hier une forte augmentation. On se rappelle que l'année dernière, le mois de mars, après le confinement mondial, les prix du pétrole, particulièrement sur les marchés futurs, les forward markets, diminuaient considérablement et passaient en dessous même de 10 dollars américains. Maintenant, nous sommes proches du niveau de 65 dollars américains. Qu'on se rappelle que le gouvernement avait décidé de réduire les prix à la pompe. Donc, au moment où nous parlons, avec cette augmentation sur les marchés internationaux, donc les subventions deviennent beaucoup plus importantes. Ce qui veut dire que les dépenses publiques vont augmenter pendant que les recettes ne sont pas au rendez-vous. Donc, ce déficit que l'on devrait atteindre pendant ce dernier mois du second trimestre, donc on peut avoir encore un déficit beaucoup plus élevé. On a eu le carnaval en février, on n'a pas eu vraiment trop d'entrée avec tout ce qu'il y a eu en janvier dernier, si on se rappelle très bien. Donc on pourrait avoir un déficit du même niveau. Donc si on devrait continuer à financer ce déficit, à supposer que la tendance devait être maintenue à plus de 20 milliards de gouttes, on serait à plus de 40 milliards de gouttes de déficit pendant un semestre. Donc, comment la Banque centrale va pouvoir maintenir la tenue de la gourde par rapport au dollar, même avec des réserves d'échange utilisées pour diminuer les tensions et sur le marché local d'échange.